Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 9 août, un petit point lecture pour vous parler de deux lectures et de mes lectures en cours. Et j'en ai profité juste avant pour vous montrer quelques aquarelles que je m'amuse à faire parfois quand ça me pique. Ça, c'était un petit clin d'œil pour Marie qui voulait voir mes petites aquarelles. Voilà, alors c'est parti au niveau de la lecture. Je voulais tout d'abord vous parler d'une lecture toute récente. J'ai lu René Frény, Dernier arrêt avant l'automne. C'est un livre paru initialement en 2019 chez Gallimard et édité récemment en édition Folio. Alors dans ce roman, on va suivre un écrivain en mal d'inspiration et donc d'argent. C'est donc le narrateur, hein, cet écrivain, qui se voit confier la garde et le nettoyage d'un vieux monastère un peu décrépit, perdu dans les collines de Provence. Alors en fait, c'est un très bon ami à lui, le libraire du village voisin, qui est absolument fou de romans policiers, qui lui a dégoté ce job. Parce qu'en fait, le nouveau propriétaire du monastère, qui est un riche monsieur qui vit aux îles Caïmans, était tombé en amour devant ce bâtiment il y a quelques mois et aussitôt avait décidé de l'acheter pour d'éventuels futurs projets. Et lorsque ce monsieur très riche était venu pour les démarcher le notaire, il était passé chez le libraire pour acheter des livres, puisque c'est un lecteur, et ils avaient un peu sympathisé. C'est ainsi qu'il lui avait demandé au libraire s'il connaissait quelqu'un qui pourrait entretenir et habiter le monastère pour 1000 euros de salaire par mois. Eh bien, c'est pile poil ce qu'il fallait à l'écrivain un peu sauvage. Il s'y installe donc et il commence à défricher tout ça en compagnie de Solex, un petit chat qui le suit partout, qui l'observe et que l'écrivain finit par adopter. Alors il va mener une petite vie tranquille et très simple de travail physique, d'entretien, et aussi ben, du coup son imaginaire reprend vie dans ses superbes locaux. Et on sent qu'il est bien parti pour reprendre l'écriture. Mais un jour, en débroussaillant l'ancien cimetière des moines, eh bien notre écrivain gardien va déterrer un truc pas bien catholique qui lui fiche la frousse de sa vie. Et bah moi aussi, j'avoue que ce Twitch m'a vraiment, vraiment scotché. Ne lisez surtout pas la quatrième de couverture, sinon vous n'aurez pas votre petit coup d'adrénaline par rapport à ce twist, si vous souhaitez lire ce livre, bien sûr. Voilà, donc ne lisez surtout pas la quatrième de couverture, sinon il y a un gros spoil et c'est dommage. Parce que la surprise était vraiment là. Bref, du coup, terminer la vie tranquille dans la belle vieille bâtisse isolée, les gendarmes vont avoir l'écrivain dans le viseur, qui lui c'est un écrivain un peu vagabond, qui s'est jamais posé dans sa vie, qui bouge un peu, qui est tout le temps tout seul, donc évidemment les gendarmes vont le suspecter de pas mal de trucs, et puis ben, il va devoir demander de l'aide à son copain le libraire. J'en dis pas plus parce que c'est un roman très très court, donc je voudrais pas raconter l'histoire. Alors c'est le second roman de René Frény que je lis. René Frény, c'est un auteur qui vit tout près de Marseille, qui a été, je crois, infirmier en psychiatrie et qui là, bon, écrit beaucoup et également donne des cours d'écriture dans les prisons, dans la prison des Baumettes. J'aime beaucoup, beaucoup sa plume. Je suis toujours autant emballée par donc sa plume vraiment poétique, limpide, par ses histoires très centrées sur le quotidien, par des personnages attachants, très en paix avec eux-mêmes, les personnages. Ce sont des histoires simples, sans trop d'action, mais très, très bien racontées, avec toujours leur petit suspense très bien ficelé. Alors ce sont avant tout des romans d'ambiance, mais l'auteur sait nous attraper et nous tenir en haleine. Voilà, tout se passe tranquille et puis paf, un petit accro arrive au personnage et voilà, l'histoire, leur vie de ces personnages vire au cauchemar. Vraiment, je conseille de découvrir René Frény. En fait, c'est ma grande découverte littéraire de 2023. J'en ai lu deux romans de cet auteur et je pense que je vais faire un petit tour sur Momox dans la journée peut-être pour essayer d'en trouver d'autres. Parce que j'apprécie énormément l'atmosphère lumineuse et simple qui ressort de ces livres, mais aussi l'amour de l'être humain et de sa diversité que l'on devine chez l'auteur.
En même temps que son côté, son tempérament sauvage et son intelligence très forte et non ostentatoire, ça, c'est j'adore. Ces histoires sont très ancrées dans la réalité sociale contemporaine hein, de notre pays, mais elles sont tellement bien racontées et tellement humaines qu'elles apportent beaucoup de paix et surtout, je trouve, un petit vent de liberté qui fait un bien fou. Donc je recommande vivement René Frény, Dernier arrêt avant l'automne. Deuxième livre dont je souhaitais vous parler, et c'est un gros, gros, gros coup de cœur également. Alors j'ai lu il y a un petit moment et j'avais complètement zappé de venir en parler. C'est Le Crépuscule de Shigeso, donc un roman japonais des années qui a été écrit dans les années 80. Parce qu'en fait, Sawako Ariyoshi est une écrivaine japonaise qui est décédée en 1984 et je l'ai découverte avec Les Dames de Kimoto qui était mon gros gros coup de cœur lecture de l'année 2021. Alors le crépuscule de Shigeso nous plonge dans le quotidien d'Akiko qui est une femme d'une cinquantaine d'années, donc dans le Japon des années 70. Akiko, elle se démarque des autres femmes de sa génération parce qu'elle exerce une activité professionnelle. Elle travaille à mi-temps, elle est secrétaire dans un cabinet d'avocats qui s'appuie totalement sur elle pour la gestion du cabinet, mais aussi pour ranger, nettoyer ou préparer le thé. On est déjà plongé dans la dimension, enfin dans le rôle de la femme un peu serveuse dans le Japon de cette époque. Alors Akiko, elle vit heureuse auprès de son mari qui travaille énormément, de son fils étudiant aussi qui travaille beaucoup. Donc c'est elle qui gère tout. Ses beaux-parents vivent dans une petite maison au fond de leur jardin, ce qui arrange bien Akiko parce que son beau-père, Shigeso, est absolument insupportable et odieux avec elle depuis toujours, depuis le début de son mariage. Alors Akiko, elle est certes heureuse, mais elle est plutôt épuisée parce que ses journées sont très chargées entre son travail, les courses, préparer des repas qui font plaisir à tout le monde, le ménage, le linge, etc. Elle n'a pas une minute à elle, pas même le week-end. Alors le jour où sa belle-mère décède brutalement, eh bien Akiko et son mari vont découvrir assez vite que celle-ci leur avait caché que son mari, Shigeso, eh bien il perdait la boule. Cet événement va faire que l'équilibre d'Akiko va être complètement perturbé. Elle va se retrouver obligée, en plus de tout ce qu'elle gère, de prendre en charge cet homme de 84 ans, un homme ronchon et égoïste qui la malmène depuis des années. Parce qu'à cette époque, j'espère que ce n'est plus le cas maintenant, c'était à la belle-fille qu'incombait de s'occuper de ses parents ou beaux-parents vieillissants. Il n'y avait pas de structure accueillant les personnes âgées, ça se gérait en famille. Les femmes n'avaient pas le choix et le mari d'Akiko va bien lui faire passer le message parce que lui et leur fils vont très très peu l'aider, vont très peu la soutenir. C'est assez violent cette absence d'aide et le fait qu'on confie tout à Akiko, en tout cas très violent de notre point de vue moderne et occidental. Alors Akiko, elle va tout tenter pour conserver son travail malgré le déclin de plus en plus fort de son beau-père qui ne reconnaît plus personne et qui n'accepte en fait que seulement que Akiko pour le nourrir ou le changer. Et puis peu à peu, une relation forte va se développer entre elle, Akiko, et cet homme, Shigeso, dont le caractère, en fait, on va voir son caractère s'adoucir au fur et à mesure qu'il décline. Il va devenir complètement d'Akiko et Akiko va être touchée et s'attacher. On va suivre cette femme, Akiko, qui va tout mettre en œuvre pour tenter de conserver son travail, pour ne pas trop perturber sa vie déjà si fatigante. Ce roman, je l'ai adoré. Il nous offre un très beau portrait de femme courageuse, dévouée, pleine d'abnégation, mais aussi une femme qui réfléchit beaucoup à son avenir, à celui de son couple, à la vieillesse, à la mort, à sa peur de devenir elle-même un poids pour son propre fils. Alors comme dans Les Dames de Kimoto,
que j'avais lu en 2021 et adoré, la thématique centrale du roman est sur la condition de la femme au Japon et c'est sociologiquement très très intéressant. La plume est très belle, captivante, l'auteur sait vraiment nous transporter dans la vie de ses personnages. Elle n'hésite pas même à nous plonger dans certains détails très crus de leur vie, donc il y a des scènes autour de la vieillesse qui sont assez crues, mais ça fait partie du roman et c'est ce qui nous plonge vraiment dans l'atmosphère, dans ce que vit Akiko. C'était vraiment une très très bonne lecture et ce personnage d'Akiko va vraiment marquer ma vie de lectrice. Je pense même, moi qui ne relis jamais mes livres, le relire un jour, bah, rien que pour retrouver ce personnage. Alors sinon, en ce moment, je lis le tome 3 de la saga des Casalets, donc il est intitulé Confusion. Et vraiment, c'est parfait, une saga familiale pour l'été, c'est vraiment chouette. Alors là, c'est toujours la guerre, nous sommes toujours donc en Angleterre, et nous sommes entre les années 1942 et 1943. L'Angleterre est la grosse base arrière militaire de l'Europe, de l'Europe des Alliés. Et la famille Casalet, on va la suivre dans ses évolutions personnelles, familiales et aussi par rapport aux implications dans cette guerre. Elle va connaître des peurs, des pertes, des maladies, des trahisons, mais aussi pas mal de joie. C'est super intéressant de se plonger à cette époque dans ce pays. J'ai très peu lu sur ce thème en Angleterre et surtout ça m'intéresse énormément parce qu'en fait mes grands-parents y étaient à cette époque. Ils avaient en fait traversé la Manche pour rejoindre la France libre et filer un coup de main et je sais très très peu comment ils ont vécu à Londres notamment. Du coup bah ça m'intéresse énormément, ça me donne un peu l'impression de me rapprocher d'eux, de ce qu'ils ont pu vivre comme ambiance et vraiment c'est très très agréable voire même presque addictif. Et parallèlement, je lis un tout petit livre d'une auteure japonaise, Ryoko Sekiguchi, qui s'intitule Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. C'est un petit essai qui traite de l'importance des saisons au Japon et de la manière dont leur perception va s'imprégner dans la nourriture, dans les repas, dans la littérature, dans les haïkus notamment. Donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà pour ce point lecture du 9 août. Dites-moi si vous connaissez ces livres, Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter, la saga des Casalets, l'auteur japonaise Sawako Ariyoshi et l'auteur que j'adore, René Frény. Alors ce sont quatre folios, je m'en rends compte, mais je suis très folio addict. J'aime beaucoup les romans, les livres parus chez Folio. Ils ont toujours de très très belles couvertures, notamment celle-ci, je la trouve très très belle. Bref, dites-moi si vous connaissez ces auteurs ou ce que vous lisez en ce moment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. À très bientôt !